Donc, bonjour à tous et bienvenue pour ce 9e et dernier Ilao Cement Talk. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler en lien avec ma première conf sur les photos, sur comment retoucher vos photos avec Lightroom. Je vais faire 2-3 slides pour parler un petit peu voilà, des généralités sur la retouche de photos. Et ensuite, je vous montrerai une photo. Que je vais retoucher devant vos yeux, ébahis, j'espère. Voilà, alors on démarre. Donc j'entends souvent quand je montre mes photos qui sont retouchées, retoucher c'est tricher. Alors je suis d'accord un petit peu, hein, je suis complètement d'accord, mais néanmoins il faut savoir que la retouche photo en numérique, c'est un peu comme la retouche photo qui se passait à l'époque de l'Argentique. Car, et oui, à l'époque de l'Argentique, on retouchait également les photos. C'était moins facile d'accès parce qu'il fallait avoir du matos de développement, des bains et tout ça. Donc voilà, des petits exemples que j'ai trouvés sur Internet de croquis de développement sur des retouches réalisées par des grands photographes argentique. Donc on peut voir à gauche la photo annotée et à droite la photo une fois retouchée, avec des zones qui doivent être éclaircies, assombries, plus contrastées. Et ça se passait uniquement grâce à des produits chimiques. Donc ça passait dans plusieurs bains. Bon, on exposait le négatif plus ou moins longtemps à la lumière et plus ou moins longtemps à certains produits chimiques. Et du coup, ça réalisait différents effets. On peut voir par exemple au-dessus de la tête du personnage, là, de Mohamed Ali, il me semble. Non, alors, il y a un petit problème. Là, c'est James Dean, et là, c'est Mohamed Ali. Que la partie sombre en haut de sa tête a été effacée. L'arrière-plan était beaucoup éclairci. Là, c'est la bonne légende. C'est bien Martin Luther King avec un photographe qui s'appelle Bob Henrique, ou Henriquez, je ne sais pas, devant. Audrey Hepburn. Donc, on peut voir ici que le bas de la photo a été très très éclairci pour voir les reflets dans la carrosserie. Voilà. Donc maintenant, je vais vous parler de ce qui se fait en numérique. La retouche photo en numérique, ça se passe essentiellement sur du RAW. Ça n'a pas trop de sens de retoucher du JPEG ou des trucs comme ça. Le format RAW, qu'est-ce que c'est? C'est pas une image, contrairement à ce qu'on pourrait penser. C'est pas un format d'image, c'est un format qui contient les données qui proviennent directement du capteur. On pourrait comparer ça à un négatif numérique. Donc c'est brut de tout traitement, ou quasiment de tout traitement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de traitement, la plupart des boîtiers se convertissent directement en JPEG, ils font des traitements pour faire du contraste, ajuster la saturation, la luminosité, traiter le bruit. Alors tout ça, c'est de la retouche photo, et sans le savoir, quand vous prenez une photo avec votre appareil, qui se transforme directement en JPEG, et ben, c'est l'appareil photo qui fait de la retouche à votre place. L'avantage du format, c'est que c'est codé sur 12 ou 14 bits, là où un JPEG va être codé sur 8 bits. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque couleur va avoir sur 8 bits 256 nuances, alors que sur codé en 12 bits, ça va avoir 4096 nuances, ce qui est quand même vachement plus intéressant. C'est surtout très intéressant pour tout ce qui est lumière très forte et lumière très faible, les ombres. Parce que du coup, si c'est codé sur 256 nuances, quelque chose qui est noir, s'il est codé sur 4096 nuances, finalement, il n'est pas si noir que ça. Il est peut-être gris, presque noir. Mais du coup, il y a moyen de rattraper comme ça des choses et de faire apparaître des détails dans les hautes lumières et dans les ombres. Et ça couvre la plage dynamique d'un capteur d'appareil photo moderne. Donc c'est un truc qui tombe vachement bien par rapport au codage, c'est que un capteur, ça a une plage dynamique, c'est-à-dire
l'écart entre les plus basses lumières qu'il peut capter et l'écart entre les plus hautes lumières qu'il peut capter, qui est de 12 EV. J'en ai parlé dans ma présente talk. Donc concrètement, ça veut dire que à chaque EV, on double la quantité de lumière. Donc ça fait 2 exposants 12 en écart entre la plus basse luminosité et la plus haute. Et c'est exactement le nombre de bits du coup qu'il y a. Donc c'est bien. Donc un appareil photo, ouais, c'est entre 12 et 14 bits selon le 12 et 14 bits et 12 et 14 EV en fonction de du prix que vous mettez dans votre appareil photo, évidemment, de la gamme. Et on va voir tout à l'heure avec la retouche que c'est très très pratique d'avoir une plage dynamique aussi élevée. Alors comment il répartit son codage? Il faut savoir aussi que c'est un petit trick bien utile. C'est que alors ça c'est sur du 12 bits. Les 2048 niveaux plus élevés sur les 4096 sont utilisés pour stocker le blanc, enfin les valeurs, les luminosités fortes. Et les ondes sont après découpées en. Donc finalement, c'est plus avantageux d'exposer une photo pour que le maximum d'informations soit dans les hautes lumières, donc surexposer un petit peu la photo. On appelle ça exposition à droite, en référence aux histogrammes de couleurs où les hautes lumières sont à droite de l'histogramme. Du coup, demo time. Là, je vais passer sur Lightroom. Tout ce que j'ai montré là sur Lightroom, c'est pour vous apprendre à utiliser le logiciel, mais c'est valable sur la plupart des logiciels de retouche de RAW. Par exemple, Aperture ou sur Linux, vous avez RAW Therapy. C'est globalement les mêmes labels, les mêmes réglages, donc et les mêmes concepts. Donc, vous ne devriez pas être trop perdu si vous n'avez pas Lightroom. Donc là, c'est une photo que j'ai prise récemment, il y a 2-3 semaines. Et quand je l'ai montrée, on m'a dit « Ah, ça serait super intéressant de voir le début, enfin comment c'était avant la retouche. » Avant de vous le montrer, vous avez tous crié « Ah, c'est vraiment de la triche, quand tu vois moi aussi des photos, j'ai entendu ça tout à l'heure, moi aussi des photos comme ça, j'en fais, et après la retouche, c'est super beau. » En fait, il faut savoir ce que vous allez voir là-avant. C'est une photo prise, enfin c'est une photo qui vient de Kero, donc aucun traitement, ça sort brut de capteur. Alors que contrairement à une photo que vous prenez avec votre appareil photo qui est directement en JPEG, ça ne peut pas ressembler à ça. Ou alors c'est que vous avez complètement raté la photo. Donc le avant-après. Donc là, en fait, je te jure, elle ressemble vraiment à ça, mais alors, qu'est-ce qui se passe sur cette photo? On voit que c'est très très clair en haut dans le ciel, et que c'est très très foncé ici. Et du coup, c'est le format RAW qui fait ça. C'est le fait qu'il y a très grand écart en fait, entre les plus sombres et les plus clairs, et du coup, on a l'impression que la photo est complètement mal prise, trop sombre ou trop claire. Mais ça, c'est le format RAW qui fait ça. Si je l'avais pris directement en JPEG, ça serait pas comme ça. L'appareil photo aurait pu même de corriger, aurait assombri les clairs, aurait rehaussé les ombres. J'aurais pas eu comme j'ai à côté. Parce qu'effectivement, c'est ça le principe, l'avantage de retoucher soi-même, c'est qu'on peut faire des trucs un peu funky comme ça. Alors qu'on peut pas le faire avec du JPEG. Là, ce que je vais vous montrer, c'est comment je retouche moi mes photos de paysage. Je vais vous montrer ça comme ça parce que j'utilise une grande partie des options de Lightroom, donc ça va pouvoir me permettre de vous montrer un peu tout. Mais c'est pas l'unique façon de retoucher, c'est pas obligé de faire comme ça, c'est juste pour vous montrer la plupart des réglages. Il n'y a pas une façon de bien faire, c'est un peu du feeling. Moi, je sais que sur les photos de paysage, je suis assez, je vais assez loin niveau retouche. Faut pas prendre ça pour argent comptant, quoi.
Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une copie de mon image. Alors, mon Mac qui travaille, ce qu'il a fait. Ah, la copie virtuelle créée, voilà. Je sais pas où il a mis. Là. Copie 2, voilà. Je vais la reset. Et je vais vous montrer pas à pas ce que je fais en espérant pouvoir obtenir le même résultat. C'est assez rare que j'arrive à obtenir le même résultat sur, en faisant deux photos identiques. Je vais essayer. Du coup, la partie développement de Lightroom est séparée en plusieurs panneaux. Je vais les fermer pour vous les expliquer. Donc vous avez le panneau réglage de base. Vous pouvez régler les trucs complètement basiques de toutes les photos. Vous avez la coupe des tonalités. Donc là, ça représente en fait d'un côté les niveaux de sortie, d'un côté les niveaux d'entrée. Et donc vous pouvez par exemple dire que les blancs ils commencent pas à 0, à 255, mais. Que les noirs commencent pas à 0 et mais commencent plus haut, que les blancs finissent pas à 255 mais finissent. Enfin, je dis 255, c'est parce que sur 8 bits c'est comme ça. Mais, pas à 100% on va dire, mais à 80% ou 70%. Je peux faire des courbes pour augmenter le contraste, comme ça. Bon, là c'est complètement moche, mais c'est pour vous montrer le principe. Comment on utilise. Vous avez TSL, donc c'est tonalité, saturation, luminance. Là, c'est pour gérer vos couleurs. Si vous voulez que les rouges soient plus rouges ou plus oranges, que les jaunes soient plus jaunes ou plus rouges, etc. La saturation, bah, c'est augmenter le niveau de puissance de votre couleur, on va dire. Que les rouges soient plus rouges, que les oranges soient plus oranges, ou au contraire, qu'ils soient sans couleur, on va dire. Si vous mettez tout à zéro, ça fait du noir et blanc. Voilà, si je clique sur noir et blanc, en fait, il va retirer la saturation de chaque couleur. Et bon, là, ça regroupe tout par couleur, mais c'est la même chose. Je vais passer. Le virage partiel, c'est pour faire des filtres Instagram dégueulasses. C'est-à-dire, vous allez mettre vous allez mettre une teinte dans les hautes lumières et une teinte dans les ombres. Donc, par exemple, là, si je mets du jaune dans les hautes lumières et du bleu dans les ombres, ça fait tout de suite un petit filtre qu'on peut voir sur Instagram. Donc, à utiliser, ça, c'est un filtre très. On peut en abuser sans problème. C'est ce que j'ai entendu. On peut en abuser sans problème. On peut en abuser sans problème, c'est quelque chose que je trouve très, très puissant et qui peut faire des trucs super cool avec. Seulement, c'est comme tout, il ne faut pas en abuser. La partie détail, c'est pour gérer tout ce qui est bruit et rajout de netteté. Ensuite, la correction d'objectif. Donc ça, c'est par ça que je commence généralement quand je retouche. Il faut savoir que tous les objectifs, surtout ceux qui sont grand angle, donc là c'est pris au 15 mm, ça déforme, donc là ça se voit pas beaucoup, mais quand je vais l'activer, par exemple, là, bim, vous voyez, ça corrige, bon là il n'y a pas trop de lignes droites, donc ça se voit pas trop, mais quand vous faites des photos de bâtiments, d'architecture, vous avez des lignes droites, c'est assez puissant, ça se voit beaucoup. Supprimer les aberrations chromatiques. Là, ça se verra surtout quand il y a du contraste comme ça sur les arbres, ça se voit beaucoup. Je sais pas si on en voit là, mais c'était pas très très lumineux. Donc ça... Mais bon, ça coûte rien de l'activer. Donc ça, je le mets. Ça, je vais pas y toucher, mais ça peut être très pratique. C'est la correction de perspective.
Donc, par exemple, si je fais auto, là, bon, il n'y a rien à corriger. Là. Mais si vous prenez par exemple un bâtiment, vous êtes près du bâtiment et vous le prenez en contre-plongée, bah, du coup, votre bâtiment il est plus petit en haut qu'en bas. Parce que vous êtes en contre-plongée. Donc ça, ça permet de corriger ce genre de défaut, de remettre des lignes droites là, du coup. Les effets, là c'est pour ajouter, ça s'appelle des effets, mais c'est pour ajouter les défauts qu'ont les objectifs, mais en post-production. C'est-à-dire le vignettage, le vignettage, plus ou moins fort, et le vignettage positif, ça c'est dégueulasse. C'est genre les photos des années 80 avec papy mamie sur un fond de papier peint. Moche. Mais rajouter un peu de vignettage comme ça là, ça peut être sympa pour recentrer l'action sur le centre de la photo. Et le grain, pareil, le grain, ça peut être rajouter du grain, ça peut être sympa sur certaines photos. Pareil, c'est ce genre de choses dont il ne faut pas abuser. Voilà. L'étalonnage de l'appareil photo, ça c'est comment il va dématricer son RAW, donc comment il va interpréter le RAW pour transformer en couleur. Donc par exemple, je peux lui dire il y a plusieurs profils, donc je peux utiliser le profil d'Adobe, c'est tout le temps celui-là que j'utilise, mais je peux utiliser également ceux de mon appareil photo. Donc ça, c'est les petits styles d'appareil que vous avez sur vos appareils photo, vous pouvez changer portrait, paysage, neutre et faceful, c'est fidèle, c'est ça. Donc ça j'utilise assez rarement, mais ça peut être intéressant des fois. Par exemple, en landscape, il met plus de saturation. En portrait, je ne sais plus ce qu'il fait. À essayer. Des fois, j'essaye. Si c'est sympa, je garde. Sinon, je reste généralement en Adobe Standard. Ça, j'y touche jamais. Là, en dessous, tous les trucs pour changer les teintes, tout ça. C'est pour modifier la façon dont Lightroom va interpréter les informations de couleur qui sont dans le fichier RAW. L'histogramme tout en haut. Donc c'est intéressant pour voir qu'est-ce qui est cramé sur votre photo ou bouché. Donc cramé, c'est les blancs qui sont trop blancs, tellement blancs qu'il n'y a plus d'informations, c'est blanc pur. Et bouché, c'est ce qui est noir, trop noir, donc il n'y a plus d'informations dedans. Vous ne pouvez pas récupérer quelque chose qui est bouché, vous ne pouvez pas récupérer quelque chose qui est cramé. Donc moi, on voit que je suis pas cramé parce que mon petit triangle là, il est gris. Et je suis un tout petit peu bouché, mais pas trop parce qu'il est bleu, sinon il serait rouge si j'étais trop cramé. Trop bouché, pardon. Et donc là, on peut voir la répartition sur... En passant ma souris, je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran, mais du coup ici c'est les hautes lumières et en bas c'est les basses lumières et les ombres et au milieu c'est les lumières moyennes, on va dire. Et du coup je peux savoir dans mes réglages de base, je peux régler les hautes lumières, les ombres, les blancs, les noirs et l'exposition, et c'est directement ça impacte les différentes parties de l'histogramme. Donc là, je vais montrer comment je commence la retouche sur une photo de portrait, de paysage, pardon. Et vous allez voir que tout de suite, avec pas grand-chose, on voit toute la puissance du RAW. Donc ce que je fais généralement, surtout quand je fais une photo de plein jour comme ça, où le ciel est très clair, c'est que je descends les hautes lumières à fond. Donc là, on voit déjà que j'ai gagné... que j'ai gagné dans le ciel, vous voyez, quand je descends, je vois directement, on pensait que le ciel était blanc, et en fait non, on voit qu'il y a bien un dégradé de bleu vers orange, rouge, et c'est ça qui permet de faire le RAW, c'est de récupérer du coup ces informations qui sont minimes, qui sont quand même là, et de les booster pour obtenir les couleurs finales. Ce que je fais aussi, c'est que je remonte les ombres, parfois à 100, parfois pas tant, mais là je vais le faire à 100. Là on voit qu'on récupère tout plein de détails dans les ombres, qui étaient cachés.
Et ces détails-là auraient été écrasés si on avait directement travaillé en JPEG. Ensuite, je vais... Là, on voit que ça a vraiment décontrasté complètement l'image. Donc, pour la recontraster, je vais agir sur les blancs et les noirs pour amener l'image sur un contraste plus acceptable. Donc, ce que je fais généralement, c'est que pour pas... Si je remonte trop les blancs, ça va être... On voit mon histogramme, ça va être cramé et ça va être beau. Du coup, ce que je fais généralement, c'est que j'appuie sur la touche Alt et en fait, quand je vais bouger mon curseur, ça va me faire un truc noir. Et tant que c'est noir, c'est que c'est pas cramé. Et là, on voit, hop, il y a une petite zone bleue, donc ça va être cramé, donc je redescends un petit peu. Je redescends un petit peu, voilà. Ensuite, je vais descendre mes noirs et je vais faire pareil. J'appuie sur la touche Alt et tant que c'est blanc, c'est pas cramé, c'est pas bouché. Mais les noirs, c'est moins important que ça soit bouché parce que c'est intéressant aussi d'avoir des zones sombres. Donc je vais laisser comme ça. Voilà. Donc là, je vais montrer le avant après déjà. Ah merde, il prend le avant de la copie. Si je fais ça, je vais dire... Voilà, donc le avant-après déjà. On voit qu'on a du détail partout, il n'y a pas de zone, des pas de zone où on ne voit rien. Ensuite, généralement, je m'attaque. Je vais rajouter un peu de contraste, généralement, pour que ça soit plus beau. Et après, je m'attaque au ciel, généralement. Donc là, le ciel, c'était un coucher de soleil. Et j'avais envie d'avoir des couleurs assez chaudes. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'au niveau de la balance des blancs, la balance des blancs, c'est les teintes la chaleur de votre photo, en fait, la chaleur des teintes de votre photo. Donc on peut le faire très froid, très chaud, c'est un peu bizarre. Donc moi, je vais juste réchauffer un petit peu. On a l'impression que ça soit un beau coucher de soleil avec des couleurs chaudes. Ensuite, le ciel, j'utilise beaucoup l'outil filtre dégradé qui se trouve ici. Donc là, ça va créer un dégradé sur les réglages que je vais appliquer ici. Donc là, je descends un petit peu l'exposition et je vais monter la température pour faire ressortir le coucher de soleil en bas de la photo. Voilà. Et là, mon problème, c'est que mon ciel maintenant est jaune. C'est... Oui. Donc, je vais en faire un deuxième par-dessus, un peu plus haut. Et là, je vais diminuer la température pour récupérer du ciel bleu. Là, je vais diminuer un peu la luminosité. Alors, pas hésiter à faire des trucs bien larges pour que ça soit. Ça ne sera pas trop visible que c'est de la retouche. Je diminue un peu la luminosité globale de mon image. Alors, qu'est-ce que j'ai fait sur la touche ? Je crois que j'ai fait un truc comme ça. Hop. Là, le soleil était à droite de moi. Du coup, j'ai la partie droite de ma photo qui est vachement plus lumineuse, surtout avec les reflets qu'il y a dans l'eau. Du coup, je vais faire pareil, je vais diminuer un peu. Alors, je vais faire un peu plus là. Hop. Je vais faire pareil de l'autre côté, histoire de ce que je voulais garder dans la photo qui était important, c'était les péniches. Les péniches, je vais les garder assez lumineuses et je vais juste diminuer un petit peu. La luminosité autour. Voilà, donc là on est déjà arrivé à un résultat pas mal. Le ciel est encore un peu trop lumineux pour qu'on voit bien le dégradé. Je vais essayer de rajouter encore un petit filtre dégradé.
Voilà. Alors, ce qui est chiant sur les filtres dégradés, c'est que si vous avez des trucs qui passent dans votre ciel comme les arbres, là, ça les touche. C'est pas génial, mais après, il y a moyen de corriger ça. Voilà. Je peux augmenter un peu la saturation également dans mon ciel, histoire de faire ressortir encore un petit peu. Voilà. Ensuite, je travaille un peu sur la saturation dans le global de l'image. Vous avez deux réglages pour ça, vous avez la vibrance et la saturation. La vibrance, ça permet d'augmenter la saturation dans les couleurs qui ne sont pas encore saturées. Les saturations, ça augmente la saturation partout. Donc généralement, ce que je fais, c'est que je augmente pas mal la vibrance, et derrière, je vais baisser la saturation. Histoire que ça soit pas trop, que ça sature bien les couleurs qui ne sont pas saturées, et que les autres ne soient pas trop non plus trop criardes. Voilà. Mon coucher de soleil ne ressort pas encore assez, je trouve. Donc, pour ce genre de photo, j'utilise beaucoup le filtre radial. Donc, c'est pareil qu'un filtre dégradé, mais en forme de cercle. Hop, je rajoute ça ici. Alors, de base, il est mal réglé. Il nous met tout le temps en ce qu'à l'extérieur prend les réglages et ce qu'à l'intérieur ne prend pas les réglages. Donc, il y a un petit bouton pour inverser notre masque. Et là, bon, voilà, ça réduit un peu l'exposition, donc ça ressort un peu plus. Je peux augmenter un petit peu la chaleur de mon coucher de soleil, un peu la saturation. Voilà. Je fais beaucoup par tâtonnement. Voilà, je regarde ce qui marche. Je fais des allers-retours constamment. Quand je fais un réglage, ça rebooste certaines couleurs ailleurs et ça me plaît pas. Donc je redescends un petit peu là, je remonte un petit peu ici. C'est beaucoup de tâtonnements comme ça. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pas encore parlé? La clarté. La clarté, ça va rendre les hautes lumières plus lumineuses et les basses lumières plus sombres, mais pas comme les contrastes. Ça agit vraiment sur le on appelle ça des micro-contrastes sur les. Les éclairs et sombres qui sont à côté l'une de l'autre. Ouais, voilà. C'est difficile à expliquer sans vous le montrer en fait. Et ça donne quand c'est trop boosté, ça donne un effet cartoon un petit peu. Enfin, si je booste vraiment beaucoup, ça fait pas très beau, mais je rajoute un petit peu de temps en temps. Pas autant, genre 10, c'est pas mal. C'est très utile pour faire ressortir les petits détails comme ça. Les petites lattes de bois, par exemple, vous voyez, ça marche pas mal pour ce genre de détails. Par contre, ça accentue beaucoup les défauts, donc faut corriger derrière. Donc voilà, je trouve que là, ça rend pas trop mal. Je peux ajouter un petit peu de magenta dans ma. Pas trop, pour que ça donne encore un effet coucher de soleil dans mes teintes. Et là, avec mon réglage, je me retrouve finalement avec une eau qui est assez verte. Bon, c'est la Saône, hein, c'est le Rhône, je sais plus. Non, c'est le Rhône. C'est le Rhône. C'est le Rhône, mais bon, le Rhône comme la Saône sont tout autant sales. Et du coup, on se retrouve avec des eaux un peu. Surtout que là, c'était un jour où il y avait beaucoup de vent, donc il y a beaucoup de remous. Et du coup, c'est pas très joli. Donc, je vais vous montrer la retouche. Avec le pinceau qui permet de faire de la retouche localisée. Et du coup, je voudrais juste modifier la teinte et peut-être aussi assombrir un petit peu l'eau qui est très brillante. Donc là, j'utilise beaucoup une petite tablette graphique très pratique. C'est vachement plus pratique que le pad tactile ou la souris pour pouvoir finement dessiner sans casser trois plombes. Donc là, je descends l'exposition pour bien voir où je peins et après je retoucherai. Donc là, ça met une petite pastille, hop, je vais peindre assez grossièrement pour la vidéo l'eau. Et l'avantage aussi de la tablette graphique, c'est que je peux faire
un peu comme si je dessinais des traits un peu doux, et puis si j'appuie vraiment, ça va plus fort. Hop, je peux effacer l'ombre aussi, si j'ai un peu dépassé. Voilà, donc c'est pas un cours de coloriage. Hein. Un petit peu là. Voilà. Alors, c'est pas très finement fait, mais je fais ça rapidement pour vous montrer. Donc, je retire mon réglage. Alors, là, mon eau, elle est un peu verte. Du coup, ce que je peux faire, c'est que la teinte, je vais la remonter un petit peu dans le magenta. Ce qui fait ressortir des couleurs, on voit un peu rouge dans le haut de l'eau. Donc, ça fait mal, ça fait ressortir un peu le reflet du coucher de soleil dedans. Je vais la refroidir, parce que du coup, si je pars dans les jaunes, ça fait vraiment pas beau. Et voilà, là, ça va donner une teinte un peu plus bleue, donc c'est peut-être un peu fort, mais voilà, comme ça. Je vais diminuer le temps. Hop, baisser un petit peu les hautes lumières. Voilà, là, c'est pas mal, ça fait une eau un peu plus bleutée. Sur tous les réglages comme ça, vous avez une petite pastille en bas que vous pouvez décocher et recocher pour faire activer désactiver le réglage. Donc ouais, on voit vraiment qu'on passe d'une eau verdâtre à une eau un peu plus bleutée, un peu plus sombre. Ce qui est vachement plus logique par rapport à la couleur du ciel qui se reflète généralement dans l'eau, et tout le temps dans l'eau. Donc ça c'est vraiment un truc qu'il faut penser tout le temps quand vous faites des retouches comme ça, et essayer de rester logique par rapport à la réalité. Si vous faites un ciel bleu, il n'y a pas de raison que votre photo elle soit rouge. Voilà. Si vous n'avez pas de coucher de soleil, c'est pas normal que votre photo soit un peu jaune. Ou au contraire, si vous avez un coucher de soleil, ben c'est pas mal d'avoir le reflet. Donc là, ce que je peux faire par exemple. Je fais un petit cercle radial ici. Voilà. On a fait n'importe quoi là. Hop. Et monter un peu la chaleur dans mon eau. Alors là, je vais. Contour progressif, c'est pour adoucir le dégradé entre le bord du cercle et le centre. Et là, je peux faire ça. Voilà. Peut-être rajouter un petit peu de saturation. Et du coup, si je fais un avant-après, on voit que le bas de. Sous le pont, l'eau est un peu plus jaune et ça fait le reflet du coucher de soleil. Qu'est-ce que j'ai pas encore montré? Ah oui, la courbe des tonalités. Ça, c'est un truc que j'aime bien faire. Ça donne un petit côté photo argentique. C'est de remonter un petit peu les noirs et de redescendre un petit peu les blancs. Du coup, ça me fait perdre en contraste et donc je refais un petit coup en reste pour augmenter les contrastes. Voilà, donc si je fais un avant-après, vous voyez la différence, ça fait des couleurs un peu plus douces, je trouve. Alors, ça, c'est un truc que j'aime bien faire. C'est un peu à la mode en ce moment de faire des photos comme ça. Souvent, ça va très très loin, genre ça. Ça. Bon, moi, j'ai un réglage un peu plus soft que j'aime bien utiliser sur la plupart de mes photos. Ça rend très bien sur du noir et blanc. Par exemple, ça. Là, qu'est-ce que je peux faire? Je pourrais booster un petit peu les oranges, par exemple, pour faire ressortir encore un peu plus le coucher soleil. Là, ça permet de toucher la saturation couleur par couleur. C'est sûr de ne pas toucher les couleurs, hein, comme ça. Je peux me dire, ah, par exemple, mes arbres, ils sont un petit peu mornes, là. Donc, les arbres, généralement, c'est en jaune ou en vert. Là, je pense que c'est plutôt du jaune qu'il faut retoucher. Donc la teinte, je vais dire, mon jaune il est un peu plus
un peu plus vert ou un peu plus jaune. Un peu plus jaune, c'est pas mal, ça fait des couleurs un peu d'automne dans les couleurs des feuillages. Et ça va très bien avec le coucher de soleil, je trouve. Je peux peut-être aussi un petit peu l'éclaircir, le jaune. Saturer un peu plus. Voilà. Et que d'autre? Le virage partiel. Le virage partiel, utilisé par parcimonie. Alors, je vais l'utiliser partiellement, le virage partiel, puisque je vais uniquement utiliser la partie haute lumière. Pour donner cette couleur un peu, cette luminosité un peu de coucher de soleil, je vais rajouter du jaune dans les hautes lumières, pas autant. Donc je peux retoucher plus finement. Voilà, ici. C'est subtil, mais c'est plein de petits réglages comme ça qui mis bout à bout vont vraiment créer l'ambiance de votre photo. Là, donc on voit l'avant après, on a des couleurs vachement plus chaudes. Détail, donc là c'est vous avez dit pour régler tout ce qui est netteté et réduction du bruit. Donc, il faut savoir que la méthode que je vais montrer là, en réduisant les hautes lumières, donc en réduisant les hautes lumières, ça crée pas de bruit, mais remonter les noirs, ça, généralement, ça crée pas mal de bruit. On peut le voir en zoomant ici. Voilà, donc on voit plein de petits points de couleur. C'est pas très beau. Donc ça, pour le réduire, on a réduction du bruit coloré. Donc là, c'est couleur. Comme ça, on peut l'augmenter assez fortement, ça crée pas de perte au niveau. Ça détruit pas l'image. Là, on voit que les petits points de couleur ont disparu. Et c'est peut-être plus précis qu'avant, ils sont les petits points de couleur. Vous voyez pas sur le projecteur. Vous voyez pas sur le projecteur, mais je pense que sur la vidéo, on verra, parce que c'est capturé directement depuis mon écran. Mais genre, est-ce que vous avez déjà pris une photo avec votre téléphone dans le noir et ça fait plein de petits points tout moches, des petits points verts ou rouges généralement. Donc, voilà, ça c'est le bruit chromatique, on appelle ça, c'est coloré. Mais sur l'appareil photo, c'est plus le JPEG, non? T'as l'impression JPEG qui fait ça? Non, pas du tout. C'est quand tu remontes trop les sombres ou quand tu fais monter les ISO, ça crée du bruit. Ça crée du bruit parce qu'en fait, quand tu montes les ISO, en fait, ce que tu fais, c'est que tu amplifies le signal. Quand tu amplifies le signal, forcément, tu as du bruit qui apparaît tout le temps. Ça que ce soit en photo, en électronique, en son, dès que tu amplifies, ça crée du bruit. Et là, ce qu'on fait en remontant les noirs, c'est d'amplification également. Donc forcément, on fait ressortir du bruit. Et ensuite, il reste une espèce de grain. De grains noir et blanc, on va dire. Donc ça, c'est la luminance. Il y a une règle que j'ai trouvée sur Internet qui fonctionne plutôt pas mal. La luminance, je monte généralement, quand c'est pas trop bruité, à 30, 40, c'est pas mal. Ça pourrait faire un peu de patiner votre photo, et du coup, ça fait perdre du détail. Donc la règle, c'est... ici, en été, vous pouvez rattraper ce gain. Cette perte de détails. Donc généralement je fais 100 moins ce que j'ai mis en luminance. Donc ça me fait 60 là. Là ça va ajouter du ça va booster la netteté mais partout. Même sur le bruit. Ça rend net le peu de bruit qui restait. Pour éviter ça, il y a une option qui s'appelle masquage qui permet de créer un masque qui va appliquer la netteté qu'à certains endroits. Donc pour voir ce masquage, on appuie sur la touche Alt, c'est le même principe que tout à l'heure. Et on bouge,
Et là, on va voir que tout ce qui est blanc, en fait, va être... la netteté va s'appliquer dessus, et tout ce qui est noir, la netteté ne va pas s'appliquer dessus. Bon, non, ça ne sert à rien d'appliquer de la netteté sur le ciel et sur l'eau, parce que c'est des zones qui sont de couleur généralement unie. Il n'y a pas de détail dedans, ça ne sert à rien d'appliquer de la netteté dessus. Ça va juste refaire ressortir le bruit. Donc je bouge mon curseur jusqu'à ce que les zones noires couvrent bien tout le ciel et toute l'eau. Et on voit vraiment que ça applique la netteté que sur les bords des formes. C'est justement là où on veut de la netteté. Voilà, j'ai à peu près tout fait. On peut... alors ça, j'ai déjà fait. On peut rajouter un petit effet de vignettage. Léger pour assombrir les coins de la photo et recentrer le regard sur le centre, ce qui est important, le sujet. Et voilà, donc je ne sais pas combien de temps j'ai mis là, mais 15-20 minutes, un truc comme ça. 30 minutes. Bon, en parlant et tout ça, mais quand je le fais tout seul dans mon coin, ça. Avec l'habitude, ça prend plus d'une quinzaine de minutes. Et on voit que finalement, là, tout ce que j'ai fait, c'est... on appelle ça de la retouche, mais j'ai rien modifié, en fait. J'ai juste amplifié les couleurs qui étaient déjà présentes dans ma photo. J'ai dit à Lightroom, bah, là, tu fais ressortir plus le bleu, là, tu fais des teintes un peu plus orangées. Hein. Voilà, c'est... On appelle ça la retouche, mais c'est très différent de la retouche Photoshop où vraiment on va modifier, altérer la réalité. Après, on peut vraiment aller très loin et faire passer une photo normale pour une photo de soir, par exemple, en vraiment modifiant l'ambiance lumineuse de la photo. Donc moi, généralement, ce que je fais, c'est que là, je suis arrivé à un résultat plutôt satisfaisant qui me plaît. Je laisse ma photo de côté, je vais à autre chose, je reviens une heure plus tard, ou un jour, ou deux jours plus tard. Et là, tu as une vision différente de ta photo, et tu vas remarquer des choses. Tu vas tout le temps rester dessus, on voit plus certains, on voit plus si ça marche ou si ça marche pas, le relâchement. Si c'est visuellement, si c'est pertinent ou pas. Donc là, généralement, je la laisse reposer un certain temps, et j'y reviens plus tard, et... je fais ça 2-3 fois avant de me dire ok, ma photo elle est terminée, je touche plus. Donc là on peut voir un avant-après. Et on peut comparer par rapport à ma photo d'origine. Donc là c'est la retouche que j'avais fait hier soir pour répéter ce talk. Et là, la photo que j'ai fait aujourd'hui. Donc, on peut voir que l'ambiance lumineuse est assez différente. J'ai des couleurs vachement plus vives sur celle que j'ai fait hier. Des couleurs vachement plus sombres et plus. Une ambiance assez différente. C'est très difficile de reproduire la même image. En fait. Je préfère celle que j'ai fait aujourd'hui d'ailleurs. Je sais pas vous, mais. Je préfère le ciel de celle que tu as fait hier. Le ciel est un peu plus bleu. C'est vrai qu'il est un peu plus soft. Bon, hier, je m'étais un peu plus appliqué sur le ciel, peut-être, mais les couleurs des arbres, je préfère celles que j'ai fait hier. Celles que j'ai fait aujourd'hui. Voilà, je pense qu'on peut s'arrêter là. J'ai repassé sur. La fin. Est-ce que vous avez des questions? Bon, on a bluffé. Maintenant, j'ai pris plein de notes. Ben, merci. Juste à pratiquer combien de photos à peu près en retouche? Je sais pas. Combien de temps? Ouais, combien de temps? Mais... Enfin, bon, ça fait combien de temps que tu... Là, ça fait 2 ans que j'en fais. Et je dirais que ça fait à peu près un an que j'ai cette maîtrise-là. Avant, je touchais un peu le contraste, un peu la luminosité, un peu la saturation, c'est tout. Et
J'ai découvert plein de tutos sur internet, des vidéos de gens qui font de la photo depuis longtemps, qui expliquent les différents réglages, et quand j'ai vu ce qu'ils faisaient, c'est trop génial, j'ai envie de faire pareil. Et du coup, j'ai appris comme ça, et après, c'est de la pratique, parce qu'il faut savoir pas aller trop loin. Là, si je regarde les photos que j'ai fait il y a un an, que j'ai retouché il y a un an, les retouches ne me plaisent plus. Je trouve ça super, beaucoup trop abusé niveau retouche. Et peut-être que dans un an, cette photo-là, je trouverais ça abusé, ça me plaira plus. C'est le style de retouche qui évolue, en fait. Ok, très bien. Bah écoute, bravo quand même. Merci. Alors, la petite question habituelle, qui c'est que tu veux voir pour un prochain épisode? Alors, moi, j'ai très hâte de voir soit le talk sur les couleurs de Camille. C'est vrai que ça serait bien pour la suite, les couleurs. Soit un talk de professeur Fagis. parce qu'en tant que développeur, j'aimerais beaucoup voir autre chose que des talks sur le développement, voir quelque chose sur le graphisme, le front, un truc qui me permet d'évoluer un peu dans ce domaine. Bah écoute, on va essayer d'organiser ça. Et du coup, la semaine prochaine, pour un LAO Talk classique, sans doute, parce que bon, l'été c'est fini. Et puis voilà. Peut-être Geoffrey Bachelet la semaine prochaine, pour pas spoiler. Peut-être. Allez, merci d'avoir regardé en tout cas. Et à la semaine prochaine. Ciao.